Bonsoir, bienvenue à la nuit de l'océan Indien, 17e édition de la semaine culturelle d'AESS, édition des étudiants comoriens ici à La Réunion. Donc ce soir, c'est la soirée de clôture, on est ici dans la grande salle Canter à l'université. On vient de voir plein de spectacles, les malgaches, les étudiants comoriens, il y a maintenant c'est le toit arabe. Donc n'hésitez pas à suivre ce spectacle sur la chaîne YouTube, je mettrai le lien tout en bas, vous verrez la vidéo en entier. Là, ce n'est que l'introduction. Merci beaucoup, suivez-nous sur le KTV et AESR. 23 ans d'existence, 17e édition. Suivez-nous chaque jour, on vous attend nombreux, les étudiants comoriens. Venez quand vous venez à La Réunion, rejoignez-nous pour faire la fête. Et pour plusieurs projets. Nam Karimou, Marabé Mendy. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la 17e édition de la semaine culturelle comorienne que l'association des étudiants comoriens à La Réunion organise chaque année. Cette année, on a choisi le thème culturel. Actuellement, on est entré dans une phase que le monde est en train de puiser ses ressources et on est en train de sensibiliser pour nous sensibiliser nous tous et entrer et faire le lien entre la culture et le développement durable pour dire que un peuple qui se regarde pas, c'est pas un peuple. En fait, c'est un peuple qui se connaît pas. Mais aussi, c'est que sans la culture, rien n'est possible d'un développement. Donc, comme mon cher collègue Moumine l'a dit, cette association a pour but d'intégrer, d'initier et de poursuivre l'aspect étudiantin des étudiants étrangers qui viennent à La Réunion. Pas forcément les personnes qui a fait que cette nuit a lieu. Donc, juste un petit mot, après, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, déjà, c'est une surprise, hein, je savais pas que fallait que je parle. Excusez-moi. Alors, bienvenue à cette 17e édition de la semaine culturelle. Donc, ce soir, je vais vous présenter un petit court-métrage du film réalisateur comorien qui s'appelle Les Dernières Poutres des Comores. Un petit court-métrage réalisé par Abderrahmane Wadjir, que vous allez le suivre. Comme ça, vous allez voir pourquoi cette année on a choisi ce thème culture et développement durable. Merci. Les Comores, situés au nord du canal de Mozambique, entre l'Afrique orientale et Madagascar, l'archipel des Comores est composé de quatre îles, Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moé. Ok. En fait, comme vous savez, on est des étudiants, donc voilà, on essaie de faire le mieux qu'on peut pour qu'on puisse passer une bonne soirée. Une très bonne soirée. Donc, sans tarder, on va maintenant appeler l'association des étudiants malgaches. Parce que comme vous savez, je vous ai dit que cette nuit-là, c'est la nuit de l'océan Indien. Donc on va voyager. On va voyager. On va aller aux Comores, après Maurice, Madagascar, Réunion. Et voilà, franchement, vous allez passer une super soirée. Donc sans tarder, on va appeler l'association des étudiants malgaches. Bonsoir. Donc sur cette chanson, je vais vous emmener en voyage à Madagascar. Une chanson qui traduit notre amour pour notre île, notre île mère, notre patrie surtout. Donc j'espère que vous allez apprécier. Salam. Yassi Yare, malgré les rumeurs circulées.
tu restes toujours bien si carré. Le bruit fraternité. Casana Kigasi Kare. Oh ah. Oh 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 oh. Gasia mon pays de la liberté. La mana kore nati a noti baby. Yeah.
Est-ce que vous voulez au complet? On a sorti ça hier. On va faire un. Vous les voir dedans. Si. Il y en a qui sont déjà par terre. Vous allez voir les différents habits qui viennent des Comores, de Madagascar, les habits traditionnels. Voici vos enfants. Voilà, devant, on voit le Dalila. C'est ça ce que le mari, il met le jour où il va rejoindre sa femme. Suivant, on voit nos amis, très chers amis malgaches. C'est une tenue traditionnelle typique malgache. Suivi par un tenue traditionnel colombien avec monsieur Aziz, avec le mouche Fatima, avec la robe en janvier. On les applaudit très très fort. Ça vient de Mayotte, on a vu sur Roumanie, ça vient d'Anjouan, on a vu, je sais. Et on a Panarus et Goudiarus. On les applaudit très très fort. Ils sont très beaux. On a aussi nos chers amis malgaches. Vous voyez la tenue malgache. Des drones qui habillent comme avant Madagascar. C'est grave, hein? Toi, c'est Manon. Mais bon, ils sont très très beaux. On les applaudit encore une fois. Merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
On a un bureau qui fait son mandat pour travailler, pour améliorer l'avancement de l'ASDR. Donc cette année, on a eu un bureau qui a travaillé au maximum. Je vais vous présenter notre président de cette année, M. Abal Hassan. Voilà notre président de cette année du mandat. Il est suivi par son vice-président, M. Moumine Hassan. Merci. Je suis le vice-président de cette association. On a eu notre secrétaire général, M. Soiré Bolero. M. Hachim Saïd Ahmed, le trésorier général. Il y a eu aussi le secrétaire adjoint qui travaillait avec M. Soiré Bolero, Mademoiselle Solha. On avait aussi le chargé culturel, parce que dans cette association, on a toutes les postes. Il y a le chargé culturel qui se chargeait de tout ce qui était culturel, qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui pour réaliser cette soirée, M. Moussa. Avec lui, elle a travaillé avec lui. Il a travaillé avec lui, pardon, M. Youssouf. Et pour finir,